À la ville, elle est ingénieure de police scientifique, lui est chirurgien ophtalmo, mais le soir venu, c'est sur les parquets qu'il brille. Depuis 9 ans, Effie Manzoni et Marc David dansent le tango argentin, une discipline dans laquelle ils ont même été sacrés vice-champions d'Europe en mai dernier. On était un peu challenger et on s'est laissé aspirer. On est arrivé deuxième donc, à ces championnats d'Europe, ce qui nous a vraiment émerveillés. Sous l'œil de leur professeur, ces deux Lyonnais répètent inlassablement les pas de ce tango qui en compétition n'est pas exactement celui que l'on retrouve dans les bars de Buenos Aires. C'est un tango spectacle, un tango dit Fantasia, qui est organisé autour de ce qui a été expliqué, c'est-à-dire la valse, la milonga, le tango argentin. Et c'est donc pour nous, sans arrêt, la dualité entre essayer de faire des figures, des spectacles, quelque chose d'un peu extravagant, et de redanser le tango fondamental de base, sans presque bouger, en étant collés l'un à l'autre. Et pour ça, il faut vraiment pratiquer. Après avoir raflé près de 70 coupes ces 4 dernières années, Effie Manzoni et Marc David ont désormais un objectif, le titre de champion d'Europe en mai 2016.